porte. On a des petits projos électriques. Mais je sais pas si on a des lasers dans, dans Street. Ok. C'est pareil. Bon, première game sur Smashville entre Keiko et Leoka. D'ailleurs, je vais je vais swap les players. Voilà, bim. Et pendant ce temps, une bonne petite phase à 30% à base de d'intro to back air. Je crois que c'était quelque chose comme faire d'intro back air. J'ai pas exactement vu, j'étais en train de reset le layout pour que ça corresponde au perso. Et Oka qui stole au ledge. Oka qui bat Dadidou à son propre jeu, à savoir gratter l'adversaire en étant soi-même au ledge. C'est assez comique. Je suis bien meilleur qu'avant. Merci. Et donc, bah ma foi, Kekwell qui, malgré sa bonne phase de début, a pris un bon 80%. Rob, ça gratte. Et Dadidou, c'est avec son gros cul, c'est difficile d'esquiver les projos. On voit le gyro qui vient lui gratter les fesses. le gyro qui empêche d'atterrir Dadidou. Il était tellement pas d'air mobility que je suis sûr que même en faisant tous ses sauts, il aurait du mal à se mettre dans un spot qui lui permettrait d'esquiver Rob et le gyro. Ah, par contre, Kekwell qui intercepte la réco hâtive de Oka. Oka, il a voulu faire le Roto Arms, mais ça n'a pas marché. Et Kekwell qui intercepte Oka dans son retreat. Et son propre gyro qui le trahit. Ah ouais, Kaki la fin. Hein. Il veut grind des stocks d'Oka. Mais Oka, lui non plus, il a pas envie. Il utilise l'arcane secrète du spin to win. Et, et c'est fort malencontreux. Malencontreux ? Non, pardon. Si. Bref, c'est fort malchanceux, voilà, pardon. De se prendre deux fois son propre gandum, c'est comme ça. Don't be. Là, mais Kekwell, il en a rien à battre là. Hein. Kekwell aujourd'hui, c'est son nouveau tag, c'est Coronets qui vont avec. On sent un petit up tilt up air, combo très classique de Rob. Il existait déjà sur Brawl, je suis sûr, ce combo. Sérieusement, il y a moyen. Et la dash attack a été tentée, mais Oka qui n'a pas remonté tout de suite et qui profite de cette dash attack whiff pour refinish au up air. Mais non, Dadidou, on ne le chope pas comme ça. Il a 5 sauts pour stall et un hubby avec de la super armor. V'là lui coller un truc du genre. Trop chaud, Kek. Et ouais. Oh là là. Ah là 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 là, l'air dodge Irexel qui ne réussit pas. Il lui fallu faire une simple air dodge. Où sont les Dacus là, Oka? Je suis pas sûr que le Dacus de Rob soit fantastique, hein, mais. Ah, et par contre, très belle lecture de la. De l'option sur plateforme de la part de Oka. Oka qui est très à l'aise sur Smashville, on le voit direct. Kekwell un petit peu moins, on dirait. Oh là là, oh, il allait le chercher. Très beau tech de Oka. Hop, Nair, c'est bien safe. Oka qui reprend le center stage avec cette double roll. Abusant de la lenteur de Kekwell. Et oui, roulez, vous irez plus vite que Kek en courant. Que Dadidou en courant. Ouais, la lenteur de Dadidou, pas de Kekwell, excusez-moi. Et oh, l'extension de hitbox avec le gyro. Si c'était volontaire, Kekwell, c'était pas mal. Déjà que ce backer retourné depuis l'edge, c'est assez BG, on va être honnête. Oh, la belle patience d'Oka. Mais Kekwell qui reste lui aussi patient. Et du coup, à patience égale, bah il ne se passe pas grand chose. Et c'est t'as l'avantage un petit peu de Kekwell qui revient dans cette game. Le petit upper en désavantage. Le up tilt qui catch le startup du nerf d'Europe, bien vu. Ah, le don't be ici, le gyro qui viendra catch quelques bons petits pourcents. Ah, bim. Il met un petit peu de temps à digérer les lasers, l'ami Kekwell. Hop, le uptil bien safe on blocked avec le back hit. Et là, bonne idéalisation du neutral B. Hein. Oka qui joue un petit peu poussy en fin de game. Et du coup, Kekwell en profite pour neutral B en toute sérénité. Dommage, le back air qui était un poil mal timé. Et malheureusement, il ne mâchera pas assez vite pour esquiver ce up smash. Oka, dans une game 1 assez close, l'emporte. C'est vrai que le caster juste à côté d'eux, surtout avec moi qui n'ai pas une voix très discrète, c'est pas ouf. C'est Adénine. Il est gentil, ok, il veut pas de chain grab, il est fair play, loul. Le seul perso en jeu qui a un chain grab, c'est Karoul à partir de 140%. Vive Karoul. Bon, je suppose que tu préfères la même connerie avec genre Rob et. Et Oka, quel gros gamin. Ah voilà. Alors oui, après, il fort 3 stocks. Alors voilà, Oka qui veut son 3 stocks apparemment, a tenté le dito. Et non, Oka, tu n'es pas. Comment il s'appelle encore? Tu n'es pas Sekpa, tu ne bats pas les gens au dito pour leur piquer leur couleur. Tu n'as pas cette capacité là.
parce qu'il joue le seul Dadidou qui a pas de couleur. C'est vrai. C'est, ce skin de Dadidou, il serait beau si il était entièrement en noir et blanc. Mais le marteau, il fait tache du coup sur le skin. Oh là, Oka qui tente des grosses gamineries. Là vraiment, on sent vraiment que ce pic, c'est parce que Oka c'est gamin. Et pendant ce temps, Kekwell qui lui apprend comment on joue Dadidou. Voilà, bim. C'est comme ça. Non mais Oka c'est un gamin, hein. Cherchez pas. Tu vois, c'est pas pour rien qu'il joue Snake hein, parmi ses persos, hein. C'est parce que c'est un enfant. Hein. Il jouerait Yoshi, sinon. Let's go! Oh oui! Let's go, oh oui! Oui! Oh là là! Mais que c'est magnifique! Le match de tennis! Oh là mon dieu! Oh là là! Qu'est-ce qu'ils sont forts! Combien de temps? Attention, regardez cet événement, c'est incroyable! Attention, c'est une passe! C'est un match de tennis du plus haut niveau! Mais putain de merde, c'est quoi son estomac, Nadito? C'était complètement con. Ils ont plus de 25 ans quand même. Oui, c'est bon. Nique sa mère. Ah putain de merde, c'était drôle. Un grand moment du stream, évidemment. Ah, j'ai fallait clipper, les gars. Je me rappelle que les deux joueurs là ont plus. Ah, et oui, et oui. Ce sont de grands enfants. Et oui, Oka, Papy Oka qui atteint. Et Papy Oka hein, qui atteindra bientôt la prochaine dizaine. Hein. Ah bah Volt est parti pile au mauvais moment. C'était incroyable. Hein. Ah oui, oui, tu as loupé un match de tennis de Neutral Bay de Dadidou avec un Gordo. C'était assez incroyable. Mais mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est con. C'est oh oui, ah, ça repartit. Oh là là, mais oui. Le coup au but de Kekwell. Quelle bande de gros gamins. Des enfants, je vous dis. Et là, et Kekwell qui tente des paris du pif. Et oui, on va parier la chope. La bague trop. Qui fasse un dit token pour le chat. On peut, s'il y a 1-1, je leur demande. Et le upper qui va finir par tuer à plus de 200%. Ah c'est bien ça, le F-Smash avec full block. Les enfants. Ah on tente les vieux, les mix-up improbables du côté de Kekwell. Hein. Qu'est-ce t'en sais? L'estomac de Dadidou, hein, une relique sacrée incompréhensible. Et bim, le petit B-reverse. Ah, et la technique du up tilt qui a été tentée, mais ça n'a pas marché. Oh, 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 ce donner était pas loin. Et le gros cul de Dadidou qui écrasera le lag. Et Oka qui exulte. Et Oka qui a oublié de sauter. C'était très mal joué. Ah, Nair, Backer, c'était pas trop. Oh là, on tentait gros donner. Et bim, le petit upper en grattage. Oh mais quelle bande de gamins. Alors... Et oui. Et voilà. Mettez les deux personnes les plus vieilles de la commune en CN et vous obtenez des gamineries à l'infini. C'est magnifique hein. Ah là le dash grab, non on ne dash grab pas son F smash Dadidou. On tente. Et là, le clash des gordos. Ah et Oka un spike à zéro. Et bon oh, oh, oh le petit upper. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a tenté un duel de Bi, mais mon dieu j'en peux plus. Nair. Hop le petit Ultra B on recrache. Il est dans le mauvais sens malheureusement, mais oui bien sûr. Quel gamin cake. Dans trop upper. Ah, Kekwell, quel homme fou! Eh ben non, il avait pas encore l'armor. Oh là là! Oh, oh là là là! Et c'est si chaud! Hop, on prend la back throw, là, le sérieux qui revient. Oh là là, mais quel beau timing de Kekwell! Mais cette réception! Comment il s'appelle? Il y a Vel qui demande si vous pouvez faire un dit token. Qui? Vol. Dit token. On va pas oser aller dans les airs, tu vois, faire des trucs de dingue. C'est BO5 du coup. C'est BO5, oui. Ah oui, ça. Ken, je vais rester sur Smash Bros. C'est pas jouer Ken, ouais, vas-y.
Le dit ok. Je vais faire un shoryuken. Ouais, je pif quoi, je sais pas, tu vois. Tu veux que je te montre exactement quoi? Bah, je sais que c'est un truc genre comme ça. C'est ça. Ouais. Attends, attends. Oui. Attendez, il se peut qu'il tente quelque chose là. Bah, c'est comme si tu faisais bu-bu. Je le jouais normal. Et ils vont accepter. Et. Il l'a eu, il l'a eu, Volt l'a eu. Cette reprise de volée, eh oui. Eh ouais, là c'est du gameplay d'Adidou. Ça c'est pour toi Volt, ça arrivera ça pas. Ça reste pour toi Volt. Oh, en plus il a pris ton skin, le Ken jaune. Voilà. Là, pour la première fois en Lorraine, Adito Ken, en loser final. Et voilà, oh là un petit pouce. Adito Ken. Oh là là, et Kekwell qui découvre le mousset du perso, vivement la botte. Hots. Alors un dit token, ah oui bien vu, dont tilt neutral B, un petit combo sympathique. Hop, le Hell Wheel, la back throw qui touche. On tente une interception de nerf mais ça passe pas. La back throw. Et bim, oh là, et là, et, ah Oka qui nous a fait une volt, on reconnaît. Là avec ce donner cancel sur Tatsu, Volt a des cauchemars là, il a des flashbacks. dont il Shoryuken, Shoryuken, ce Shoryuken adverse évidemment. Nair, on tente le roundhouse. Ou c'était peut-être le premier du Inazuma Kick, je suis pas sûr. Ah là c'était un Inazuma Kick. Oh mais bien, oh mais là là, mais quel BG Oka. Voilà. Oh là là, neutral B, mais quel beauté ce dit Oken, regardez. Ouais. Et attention, vont-ils idéaliser le Dance Smash Cancel True Shoryuken, attention. Le dernier patch de Kay. Et ce duel d'Aerial qui fait l'emporte à Oka. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont fait tous les deux un donner, une quick. Oh là là, attention, Oka qui s'est FADC. Quel grand joueur. Le Tatsu, attention. Ah, on tente le F-Smash qui est tenté. Un Shoryu piffé. Strong Jab, je crois que c'était ça. F-Smash. Ah, le fer, c'est bien Safe and Block, je crois. Strong Down Tilt qui fait pas grand chose. Oh là là, Paris. Paris, mais le Strong Up Tilt qui tue presque. Strong Up Tilt qui ne tue pas encore. C'est pas Dadidou, le Up Tilt, il tue pas bien. Hop, Seiya, la F-Tilt, la F-Tro. Et le gros Shoryu bourré. On a tenté quelque chose, mais on s'est pris un gros. Oui, le Tatsu aérien, un très bon combo starter de Ken, n'est-ce pas, Bolt? La back-tro, Oka qui gratte des pourcents. Hein, qui joue Rob ou Ken, il a spécialité, hein, ne pas mourir et gratter plein de pourcents. Je suis mort. Ah, on tente des gros mix-up qui n'existent pas. Ah, et en parlant du mix-up qui n'existe pas, il y a évidemment le Don't Be Offstage. Et un Ken à 204%, ça aussi ça n'existe pas. Le Strong Jab qui n'a pas tué, le F-Swash qui n'était pas trop derrière. Ah oui, et le gros Shoryu qui a catché la roll, bien joué, bien joué. Quel beau positionnement de Kekwell. Hein. Jab, 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 je crois que j'ai jamais vu le jab entier de Ken. Hadoken, Shoryu. Ah, là, ah non, non, le Hadoken trop tôt. Ah, le Tatsu agressif en Reiko, le Inazuma Kick, la Dantro, le nerf n'était pas garanti derrière. Fauder, le petit comeback dans les pourcentages de Oka, mais de Kekwell, pardon. Mais Oka qui a quand même un bon lead en stock. Voilà, le nerf qui a fait trip, what the fuck, man. Ah oui, c'est Reiko au Tatsu agressif hein, qui surprennent Oka, réellement. Et c'est vieux grab trade, mais c'est n'importe quoi. Et oui, Shoryu to Shoryu, la Shoto spéciale. Et l'autre Shoryu derrière. Est-ce qu'on va rendre un quatrième? Oui, c'est un multi, la focus ça marche pas. Et après une stock entière à faire des conneries, Kekwell reprend un petit peu du lead gagné par Oka. Et là, le bon F-Smash dans le mauvais sens, ou peut-être était-ce l'auto turnaround qui était bourré. Le Tatsu au ledge sagement fait par Kek. Dantit, on tente de dire quelque chose, mais Geto Pata qui viendra perturber les plans de Oka. Le Fauder par-dessus à boule de feu. Le Shoryu piffé. Up smash, ah, j'aurais bien vu un Shoryu derrière là. Shoryu Ken, et le Shoryu, on punit ce Shoryu qui viendra tuer. Et je crois que c'était un suicide en plus ce Shoryu. Incroyable, quel bel game. Oka, quel maître. Quel grand maître karatéka. Le grand maître Karatoka. Pardon. Vous connaissez le chacal. Alors en vrai, ils ont pas beaucoup de différence d'âge. Alors, c'est... Voilà.
Et on reprend Didi Rob avec une petite game d'avantage gagnée sur ce dit token. Le skill a parlé. Et full Smashville, tel un set de Smash 4. J'espère que je parle pas trop fort en vrai dans le micro. Bien, je dirais pas de hurler. Pardon. Pendant ce temps, un bon petit grattage des pourcentages en début de partie. Le backer qui renvoie bien comme il faut. Nair to Nair, grand classique de Cake et de Dadidou en général. Le weak Nair qui permet de combo avec pas mal de choses à toutes sortes de pourcentages. Et là, Oka qui a été sauvé par ce Gordo, mais qui prendra quand même la bagatelle d'un bon. Je dirais qu'il a pris 45%, 30% du F-Splash, 15% du Gordo approximativement. Et oui, le bon Spike. Et là Kekwell qui explique à Oka que quand c'est pas un dit token, bah il se fait graille. Et hop, un petit chain grab d'Oka. Adenine qui en parlait. Et oh là là, mais les options 200 IQ de Kekwell. 34 dégâts ça met, mais bon sang, qu'est-ce que les gros ça fait mal. Et oui, Dadidou s'est assis sur lui de sous son poids. Ce qui évidemment inflige d'immenses dégâts. La douleur est insoutenable. Les rotors de Rob qui craquent. Landing Nair, pas de trou combo derrière à cause de la plateforme. C'était bien vu de la part de Kekwell, il a voulu patienter. Mais Oka finalement n'avait pas d'IA pour atterrir sur plateforme, donc il aurait pu un peu follow-up comme ça en mode du pif. Bon, le Neutral B c'est mignon, mais il fallait peut-être pas le maintenir aussi longtemps. Ah, le Donner un petit peu près, un petit peu hâtif de la part de Oka. Hop, le Nadantro, le upper sur le mash. Ça ne tue pas parce que Dadidou il est gros. Le recrash sous le stage. Et il est presque tombé à court de gaz, l'ami Oka. Oka en difficulté sur cette game 4. Ah, Kekwell fort malheureux d'avoir perdu ce dit token, il a le seum. Il voulait absolument le gagner parce qu'il avait pris le skin de Volt. Il ne comprend pas pourquoi le skin n'a-t-il pas marché. Et le faux Eder qui touche. Et bah ma foi, Kekwell propre sur cette game. Le Don't Smash qui manque de tuer. Ah, l'overshoot qui était plutôt bien vu, mais cette fois-ci Oka a pris un peu plus ses précautions. Et là, Père qui tuera largement. Backer, on met 20 comme ça là, c'est gratuit. Hop, game avec une stock entière d'avance pour l'ami Kekwell. Et comme dit Rob, ça gratte bien les pourcents, donc il va bien falloir être attentif du côté de Kekwell. Et le but, et on le voit, Oka qui n'a plus envie de prendre des pourcents. Ça aurait pu être un side B et un kill sur ce nerf. Je pense que là le side B était garanti sur Dadidou. Au minimum ça valait la peine de l'essayer, je pense. Hop, l'overshoot qui lui permet d'esquiver le Donner, c'est bien vu. Kekwell qui est courant de la capacité d'Oka à bien timer ses two frames. Ok, on tente des gros backers. Et à nouveau les overshoot ou Abby qui le réussissent plutôt bien mais qui font prendre beaucoup de pourcents. Et mine de rien, Kekwell qui est un petit peu en train de throw son lead. Oka qui patiente bien et qui whiff punish proprement les options hâtives dans le désavantage de Kekwell. Le fer qui a pas trop marché, qui a loupé un peu. Up throw, ah, bien vu ici le jab pour s'échapper des petits pièges de Rob, des mytho combos que tentait par Oka. Voilà, c'était un peu greedy. Mais bah J-Dog, je l'emmerde. Tout le monde dira overshoot, nah, parce que c'est pas un concept propre à Smash. Oh, le Donner! Et bim! Et oui, le Donner kebab, évidemment. 2-2 dans le set. Une loser finale, last game. Il y a 2-2. Ils ont les feedbacks. Eh non. C'est vrai que un peu. Et oui! On aurait dû rester sur Kel. Ah vraiment, le Kel de Oka invaincu dans ce tournoi. Hein. Hein, ce pic était tellement plus malin. Et bon, en vrai, il y a 1-1 dans le match-up Didi Rob, si je me lourde pas. Parce qu'en vrai, Oka a gagné la première game dans ce match-up, puis il a perdu la seconde parce qu'il a joué Billette. Puis ensuite, il a gagné le dit token, et là, Kek vient de le battre dans le... Ah oui, le Dizo Dadidou, oui, c'est vrai. J'avais oublié, je crois qu'il avait pris Billette. Par à cause du tournoi où il a un peu fait ça. Et oui, tu approuves, très bien. Upper, F-Tilt, c'est bien vu.
Les bons pourcents mis par Oka sur cette première phase. C'est dommage, le Dandy est un petit peu mal timé. Je pense que ça aurait pu être un kill au minimum. De très gros dommages. Mais Oka qui s'en sort moins, un peu mieux que prévu. Il aurait pu être bien plus entamé sur cette première stock. Et le gyro de Kekwell qui est utilisé intelligemment pour lui permettre d'esquiver un ledge trap de Rob. Et bim, le bon backer là qui outspace les aerials de Rob. Et là, il avait faim Kekwell. Kekwell, il avait envie de se faire un petit tanka, un petit Rob croustillant. Ça craque sous la dent. Echo, tu pourras les récupérer mes affaires en haut, elles sont en haut dans la veste et dans le sac. Il n'y a plus personne à mêler, c'est vrai, je les avais laissées là. Je crois que je suis tranquille, merci. Excusez-moi, petite interruption. Et pendant ce temps, ma foi, Oka qui trouve un grand classique de Rob, savoir d'intro, je te ride ton match upper. Kekwell qui a manqué de mix-up justement dans ce département, craignant sûrement le up smash qu'il s'est pris plus tôt dans le set. Il va falloir, à mon avis, remix-up. Ou éviter de prendre des chops. Mais bon, c'est le second est un petit peu plus simple que le premier. L'inverse, le premier est un peu plus simple que le second. Et là, putain, ce spam. Oka qui spam sans la moindre honte, tel tout Rob main. Il est évident que dans la tier list des plus gros spammers, il y a que les Rob main sont top 5, aisément. Mais les Snake main aussi, hein. Je pense que c'était un des rares personnages auxquels tu appuies plus sur B que sur A. Que tu as fait, Kekwell? Pas comme ça! Pas comme ça, Emilien! F-Tilt qui gratte quelques pourcents. Deuxième F-Tilt. Hein. Le troisième F-Tilt qui ne touche pas. Le bon F-Smash qui est trouvé, malheureusement. Le Sour Spot qui touchera. Et oh là 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 là! Mais cette stock express! Boum! Et ça, c'est du clip. Voilà, le clip. Ah, c'est un clip. C'est les autres. Est-ce que quelqu'un a clippé ça? Pitié. Si quelqu'un peut cliquer, ce serait vraiment cool. Clippez-moi ça, les gars. C'était d'une propreté. Je pense que c'est Yeet Smashable, en effet. Oka sur Yeet Smash, vite. Au pire, vous regardez la VOD et vous faites... et vous clippez ce moment-là. Il me semble qu'on peut faire des clips sur les VOD. Vite, Oka sur Yeet Smash. C'est bien, un vrai cataclysme. Ah, dommage, Kekwell, petite rico un peu hâtive. Et pour l'instant, Oka qui a quand même avantage. Et là, le spike qui viendra. Et bim. Et bah, 3 à 2 pour Oka. Il ne l'a pas battu, mais il l'a clippé. Kekwell, futur candidat au Yeet Smash, espérons-le.